l'enfant. Madame Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Donc, cet article introduit une amende civile qui vient s'ajouter, et cela a été dit, à l'actuelle peine pour délit de non-représentation d'enfants, qui est une infraction pénale. Je crois que cette mesure, c'est un symbole, un très mauvais symbole, parce que vouloir apporter des solutions à des situations litigieuses d'autorité parentale, vouloir trouver au travers du numéraire, parce que c'est de ça dont il s'agit, des solutions à des situations familiales contentieuses, je crois que c'est un vrai danger. Et plus encore, c'est le symbole là qui est dangereux. C'est introduire des flux financiers dans les familles, au sein des familles. N'est-ce pas un petit peu fallacieux? Ne devrait-on pas se tourner vers des mesures d'accompagnement, vers des mesures d'apaisement, vers des mesures de transaction? Par ailleurs, il est prévu de limiter le montant de l'amende civile à 10 000 euros, qui est le montant qui ne peut être dépassé. Mais est-ce que cette limite n'est pas virtuelle, finalement, puisqu'il est prévu que cette amende s'applique lorsqu'un parent fait obstacle de manière grave aux règles de l'exercice conjoint de l'autorité parentale? Est-ce à le dire que s'il fait plusieurs fois obstacle de manière grave, plusieurs fois cette amende pourra s'appliquer? Et de la même manière, il est indiqué que lorsqu'il y aura obstacle de façon non grave mais renouvelée, l'amende s'appliquera. Est-ce à dire aussi que lorsqu'un obstacle sera établi de façon non grave mais qui se produirait 4 fois, c'est-à-dire renouvelé 2 fois, l'amende pourrait également s'appliquer 2 fois? Je crois qu'il y a des disproportions et qu'il n'est pas du tout souhaitable d'introduire des flux financiers dans tous ces différents familiaux.